أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين Mes frères et sœurs en islam, nous sommes venus aujourd'hui pour essayer de parler de ce mois béni de Al-Muharram. Vous voyez déjà que nous sommes habillés en noir parce que c'est un mois qui a été consacré pour la commémoration de la martyrisation de l'imam Hussein alayhi salam. Le mois de Muharram a eu plusieurs événements. Chaque jour avait ses événements. Et nous allons d'abord commencer par expliquer pourquoi le nom Muharram, pourquoi il a été les musulmans ou les arabes ont donné ce nom Muharram à ce mois-ci. Le mois de Muharram signifie tout simplement le mois des interdits, c'est-à-dire des interdits. Qu'est-ce qui a été interdit? Vous savez, les arabes à l'époque, ils avaient l'habitude de faire des guerres, il y avait des problèmes de tribus, il y avait des problèmes de terres et tout ça, et ils avaient l'habitude de faire la guerre entre eux. Mais arrivé à un moment donné, ils se sont convenus qu'il n'y ait plus de guerre, qu'ils aient au moins un mois où tout devait être mis sous en quarantaine de conflits. Alors, le mois où tout a été mis à côté, la guerre, les conflits, c'était le mois de Muharram. Et c'est pour ça qu'ils avaient appelé ce mois le mois Muharram, suite aux interdits. C'est-à-dire, bien que Dieu aussi avait demandé aux musulmans de ne pas vouloir se faire la guerre, se tutoyer, se faire beaucoup de choses qui ne sont pas appropriées dans la société, dans ces mois-ci. Et les Arabes aussi avaient adopté ces jours, ces mois-ci, comme un mois de paix, le mois que tout le monde doit vivre ensemble. Vous avez vu que les musulmans, à ce mois-là, les musulmans ou les Arabes, ils se rencontraient, ils organisaient des festivals. Ils organisaient des mois, des poésies, il y avait des échanges commerciaux, il y avait des ennemis qui se retrouvaient parmi ces mois-là sans pour autant se faire des guerres dans ces événements-là. Donc ce mois, le mois de Muharram, était consacré pour le mois de paix. Mais c'est un mois qui est un mois historique. Pourquoi? Parce que dans ces mois, il y a eu beaucoup d'événements et surtout l'événement qui a marqué ces mois, c'était l'événement la martyrisation de l'imam Hussein alayhi salam avec ses compagnons et chez les Umayyades. Donc c'était ce mois-ci. Donc chaque jour du mois de Muharram avait un événement. Chaque jour du 1er au 30, il y avait au moins un événement qui s'est passé. Le 12e jour de l'Anshura, c'était le mois de Muharram. Donc l'imam Hussein était sacrifié dans ce mois-ci. Nous allons lire quelques passages qui nous prouvent réellement que ce mois a été le mois consacré à la martyrisation, à la cérémonie ou à la commémoration de la martyrisation de l'imam Hussein alayhi salam chez les chiites, puis tout, surtout, parce que ce ne sont pas seulement les musulmans chiites qui célèbrent ce mois-ci, il y a aussi les musulmans, de l'autre côté, les musulmans, notre frère de Al-Sunna wal-Jamaa, qui eux pensent que ce mois est le mois sacré où ils doivent gêner ou faire des prières parce que Moussa, le prophète Moïse, alayhi salam, il avait fait sortir les enfants d'Israël entre les mains du Pharaon. Donc, les traversées du mois des enfants d'Israël, de l'Égypte à la terre promise. Mais pour nous, les chiites, c'est un mois que nous plairons, c'est un mois où nous pensons à la martyrisation de l'imam Hussein, alayhi salam. On dit. Le premier mois, c'était un mois hégirien, parce que c'était un mois l'égir. On dit le premier mois du jour de l'égir débute de l'embargo contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier mois de Muharram qui a débuté avec l'embargo de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez les Bani Hashim, bien sûr, chez les Bani Umayya. Et on dit aussi, c'était aussi parmi le mois, les premiers jours du mois de Muharram aussi, était le mois de bataille des Al-Qadr. Al-Raqqa. Donc c'était le mois où les musulmans avaient connu, les Arabes avaient connu la guerre des Raqqa. C'est-à-dire, c'était le premier, au moins le premier mois de l'Égir, de Muharram, bien sûr. Et c'était aussi le premier mois des zakat,
pour la première fois, les musulmans avaient commencé à récolter les aumônes ou les zakats dans les premiers mois, les premiers jours du mois de Muharram. Les premiers jours du mois de Muharram étaient aussi consacrés comme les premiers jours où les musulmans ont connu le zakat. Voilà. Et il y a aussi, dans ces premiers mois, on dit aussi qu'il y a eu la conquête de l'Égypte par Amr ibn Asad. Amr ibn Asad, c'est lui qui a aussi fait la conquête de l'Égypte à ces mois, surtout les premiers mois de Muharram, parce que j'ai dit que chaque mois de Muharram, chaque jour du mois de Muharram était, avait un événement. Et l'un des événements du premier mois de Muharram, c'était premièrement l'embargo au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Bani Hashim, par les Banu Umayya. Il y avait aussi le collecte des zakats pour la première fois chez les musulmans. Il y avait aussi la guerre des Raqqa, qui était aussi c'est-à-dire notifié ou bien compris comme les signes du premier mois, ou bien l'histoire qui nous enseigne, du premier mois du mois de Muharram. Donc pour le premier jour du mois de Muharram. Donc voilà un peu ça, ce qui a aussi marqué l'histoire du mois de Muharram pour le premier jour du mois de Muharram. Donc c'était juste ça pour vous essayer de faire comprendre réellement que le mois de Muharram, c'était un mois très sacré pour les musulmans, parmi les quatre mois sacrés que nous connaissons, Zulqa'da, Zulhijja et autres. Et le mois de Muharram aussi en fait partie. Donc nous les musulmans, et précisément les musulmans chiites aussi, dans ces mois sacrés, des mois de Muharram, c'est un mois que les musulmans, eux, commémorent bien sûr la martyrisation de l'imam Hussein alayhi salam et de ses compagnons. Je crois qu'avec le temps qui nous est réparti, on ne peut pas tout parler de ce mois ou de ce jour. Nous allons pouvoir bien sûr nous organiser, Inch'Allah, dans les jours qui vont venir pour essayer de parler de premier mois, deuxième mois, quatrième mois, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'au trentième jour, qu'est-ce qui s'est passé, quel événement s'est-il passé dans ce mois de Muharram, parce que nous avions parlé de ce mois, jusqu'à arriver à la martyrisation de l'imam Hussein, alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.